Bonjour tout le monde. Ce soir, les Juifs du Canada et du monde entier vont se rassembler autour de la menorah pour la première nuit de Hanouka. Je sais que les deux derniers mois ont été incroyablement difficiles pour les Juifs. Le 7 octobre, le monde a vu avec horreur le Hamas commettre des actes d'une violence indescriptible contre les civils innocents. Depuis, on assiste à une montée inquiétante de l'antisémitisme qui fait que les gens ne se sentent pas en sécurité dans leurs écoles, leurs lieux de travail et leurs communautés. Nous avons été témoins d'actes haineux, inacceptables, qu'aucun parent ne devrait avoir à expliquer à ses enfants et qu'aucun rabbin ne devrait avoir à expliquer à sa congrégation. C'est pourquoi je tiens à l'affirmer clairement, notre gouvernement est à vos côtés. Nous n'accepterons jamais aucune forme d'antisémitisme et de haine. Nous défendrons toujours le droit d'Israël d'exister et de se défendre. L'histoire de Hanouka nous rappelle que la lumière brille plus fort que les ténèbres et que le bien l'emporte toujours sur le mal. Elle nous rappelle également la résilience du peuple juif qui a persévéré à travers des époques incroyablement éprouvantes. Le Canada se tiendra avec vous et avec Israël pendant que nous passions à travers ces épreuves aussi. Et j'espère que ces leçons de l'histoire de l'Hanouka, comme la lumière de la menorah, vous donneront de l'espoir en cette période difficile. J'espère également que vous saurez retrouver le confort et la paix en perpétuant vos traditions, que ce soit en regardant les enfants s'amuser avec des dreidels, en faisant frire des latkes et en dégustant des soufganiotes ou en écoutant le récit héroïque des Maccabées. En ce moment important de début d'année, je tiens à ce que vous sachiez que nous resterons à vos côtés. Chag Hanouka Sameach.